Yo, c'est R-Candy Inspired, la chaîne qui vous parle de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez adorer. Ça concerne une plante que vous devez tous avoir, que vous avez tous vu. Donc, sans tarder, restez connectés. Mais avant toute chose, mettez le pouce bleu, likez, abonnez, partagez et c'est parti quoi. Alors, l'élu du jour, c'est une plante incroyable. C'est l'ail des ours avec des vertus incroyables. Alors, regardez cette vidéo jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ceux qui savent, dites-moi aussi si vous l'utilisez déjà. Ok, c'est parti. Pour la petite histoire, il faut savoir que les hommes du néolithique en consommaient déjà il y a plus de 3600 ans. Par la suite, l'ail des ours a été utilisé par les Grecs, les Celtes et les Germains qui l'utilisaient comme une plante purifiante. Même Dioscoride en faisait déjà des éloges à l'an 50 après Jésus-Christ. À commencer par les animaux, on raconte qu'au printemps, après l'hibernation, les ours ont mangé ses feuilles pour se purger, ce qui lui aurait valu d'ailleurs le nom de l'ail des ours. Cette plante fait l'unanimité des scientifiques et des anciens, ce qui est très rare. Aussi, ce qu'il faut savoir, que ce n'est pas une simple aromatique de premier choix, mais que l'ail des ours est au cœur de la pharmacopée traditionnelle occidentale. Aujourd'hui, on ne présente plus l'ail des ours. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 84 études qui ont confirmé ses vertus stupéfiantes. Il est aussi considéré par la plupart des nutritionnistes comme un super aliment, si ce n'est le super aliment par excellence. Yo. Ah. On lui attribue des bienfaits dans la prévention de l'hypertension, de certaines tumeurs ou encore du vieillissement. Il possède beaucoup de principes actifs tels que allicine, quercétine, soufre, rétinoïde, phénol, azomarine, faisant de lui un puissant antioxydant aux propriétés. Il est aussi antimicrobien et antifongique. Il prévient les troubles cardiaques car il a un rôle très important dans la cardioprotection et une forte activité antioxydante, ce qui implique la possibilité de son utilisation seule dans la prévention ou comme thérapie antioxydante adjuvante dans les maladies cardiovasculaires. Yeah man, il est trop fort cette taille des ours. Petit conseil de la fin, pour profiter pleinement de son goût et de ses propriétés détoxifiantes, il est conseillé de le consommer le plus frais possible. J'espère que t'as compris maintenant. Va maintenant chercher l'ail des ours. Les amis, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous et allez chercher l'ail des ours. Car c'est ce que je vais faire demain matin, je pense. Sinon, à bientôt. Peace.